On a l'autre élément qu'une pas cap négligé aujourd'hui, c'est question de Gaza. Et on a tout à circuler, écoutez, le gouvernement entend respecter sa décision avec Fonds monétaire international. Et on a d'ailleurs s'est ajusté à la pompe, prix carburant, puisque bon, ensemble de déficit, notre la clé sur ça. Mais on nous rappelait, on dit, mais est-ce que là, le moment est opportun, vu la réalité économique là qui est très précaire, est-ce que c'est le bon choix, je veux dire, pour que Gaza t'a ajusté? Qui ça la présidence répond, elle attend des commentaires, ça arrive. Gan pil komantè ki fèt sou kèsyon, men sa map di a populasyon ke Haiti pa fè gaz. Nou pa fè, malouzman. Le nou bezwen pou nou kapap pèmèt ke li disponib sou machè lokal la pou moun yo kapap vakye avèk aktivite yo, nou achete l sou machè internasyonal la. Et aujourd'hui, pri baril petrol la augmente sou machè internasyonal la. Et genyen plizye l anè, m pa kapap mette chif, men m konen gen plizye l anè, Haiti pa jam peye gaz la nan pri normal li. Tout simplement parce que l'État subventionne le bonheur. Et c'est ça que fait. Quand on gagne des camions dominicains qui viennent bailler des marchandises dans le pays, ils sont tout full. Parce que je n'ai plus bon marché en Haïti que la République dominicaine. Dernièrement, j'ai lu un article qui dit que Haïti fait partie 33e et 51e pays côté prix pétrole là, plus bas. L'homme fait l'article là et puis me tape sur Google, m'a regardé qui l'autre pays qui a un prix pétrole qui est bas. Tout pays qui est côté Haïti, c'est Gino Lendor, tout c'est des pays qui font gaz. Ça veut dire faire la caillou. Donc, prix a baissé. Donc, nous-mêmes, nous ne faisons pas. Nous, non, presque dans même les pays, ça mais acheter nos subventions. Aujourd'hui, l'État n'est pas capable de subventionner gaz là. Encore, tout simplement parce que je dis. Il faut que nous jouions l'argent pour nous capables de renforcer le programme social pour nous permettre que nous touchions plus de monde. Parce que je dis, il y a un pile citoyens et citoyennes qui vivent avec moins de 2 dollars américains par jour. Donc je dis, les gens, quel que soit côté, ils sont 27 750 km², il faut que l'État arrive à joindre. Il faut que ce n'est pas dans 4 identifications nationales qui ont palmis pour avoir l'État. Mais à travers le programme social, le petit maman chérie, restaurant communautaire, panier solidarité, l'État arrive à joindre. Et pour l'État arrive à joindre, je dis, il n'est pas capable de continuer à subventionner Gaza, malheureusement. Mais ça, il y a l'autre monde qui dit tout, qui croit que, oui, c'est vrai, Gaza, il a monté à l'échelle internationale, mais l'LB, c'est trop, il ne faut pas baisser tout ici. Écoutez, le dernier protocole qui était signé, c'était l'année dernière, il y a des engagements fermes qui étaient pris entre l'État et les syndicats, pardon, et toute l'autre entité. Il a dit, cool monter sous marché international à la montée, et cool baisser sous marché local à la baisse. Malheureusement, il va baisser, c'est grimper, la grimper. Mais vous avez de l'autre engagement qui était pris avec les syndicats, vous respectez? Il y a des discussions qui sont faites tout le temps avec les syndicats pour capable respecter l'engagement. Il ne faut pas oublier que tout engagement qui prend, il faut que passer par le budget national. Il faut que passer par le budget national. Aujourd'hui, nos ressources sont limitées, mais nous connaissons l'engagement nous par rapport avec tout le monde. Et nous travaillons pour nous respecter l'engagement. Mais quand le gaz à son produit transversal, elle monte. Et puis l'autre produit pour le monter. C'est peut-être une pigou plein. Si vous m'attendez de trois arguments, comme quoi, les gens qui bénéficient de subventions, c'est une entreprise, une usine, etc. Mais si le peuple a tout, il a besoin d'acheter des produits pour le consommer. Et tout, ça va avoir un effet sur lui. Et ça va avoir un effet très petit. Tout à fait. Et c'est ça que fait nous parler en pile de renforcer le programme social pour nous capables de permettre que nous toucher plus de monde. Et c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de restaurants communautaires, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de panier de solidarité, mais il y a de l'autre forme d'appui que l'État est capable de dégager pour le capable de rejoindre l'autre monde pour permettre que la population pas sentir. Mais aujourd'hui, l'État n'est pas capable de subventionner le gaz là encore parce que nos ressources sont limitées et aujourd'hui nous avons besoin de renforcer le programme social. Il y a des alliés du pouvoir hein, dans la Chambre. Je vais citer deux noms. Jean-Rouyné Lochard, vous connaissez, qui est lui d'ailleurs sous bannière PHTK, député deuxième circonscription de Port-au-Prince. Député Alfredo Antoine, qui sont alliés du pouvoir, député qui est sous bannière KID, Keskov. Il dit qu'on ne peut pas avoir de bonheur du tout. Décision gouvernementale, administration pour ajuster le gaz à la pompe. Il y a de l'autre côté, il y a chercher l'argent si vous voulez et faire des projets pour dit là. Comment est la présidence? C'est deux alliés, des gens qui proches lui et puis qui dit qu'on pas d'accord ça. Écoutez, moi-même, c'est porte-parole président Jovenel Moïse. Malheureusement, moi, pas porte-parole le Parlement. Et le Parlement, son espace politique.
Et là, je dis politique, il y a un pouvoir avec élection, il y a un pouvoir avec mandat qui a fini, il y a un pouvoir avec monde qui peut retourner encore côté population pour y aller demander vote. Mais aujourd'hui, sa population comprend. Président Jovenel Moïse, il est conscient de l'engagement. Il a toujours dit que les choses sont graves. Le pays est un pays complexe, qui est compliqué. Mais il y a comme devoir pour prendre responsabilité. Aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a voté. C'est pour ça qu'il a voté. Et aujourd'hui, il faut que l'État arrive à joindre tout le monde dans le pays, quel que soit côté lié. Mais. Gaz là, baril, pétrole, la montée sur le marché international là. Et nous-mêmes, chaque fois, c'est acheter, nous allons acheter pour nous venir vendre pas bon ici. Et là, nous venons vendre, nous subventionnons. Aujourd'hui, l'État pas capable de subventionner gaz là. Il a seulement retiré la subvention et n'a pas acheté le prix que nous avons acheté. Fait des recherches. Haïti fait partie 33e et 51e pays côté gaz là, plus bas. Et le regard de l'autre pays qui boit côté Haïti, c'est les pays eux-mêmes. Qui fait gaz. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de renforcer la capacité nous pour nous garder avec des déchets que nous gagnons dans le pays, comment nous sommes capables de venir avec des usines pour transformer des déchets en gaz et pour nous servir. Mais aujourd'hui, pour nous faire tout ça, il passe nécessairement par la stabilité politique. Parce que quelle que soit la grande usine qui a fait ça pour nous, ça me dit, il ne peut pas venir planter le pas ici s'il connaît que un bon matin qu'a levé la langue. Maintenant, nous sommes tous en santé fait avec le budget, nous sommes passés par la pile qui était dans la société, même des mouvements de oui qui étaient gagnés suite à votre budget à Tamara Ouyon. On est dirigé, c'est prévoir. Qui dispose de prendre au niveau de la présidence pour que la pédagogie qui fait pour expliquer mon yo, pour qui ça va monter, il n'y a pas juste pris gaz à la pompe, qui est fait quelqu'un sur l'État, qui ça va aller comme conséquence positive sur la vie, pour éviter des mouvements de rue, pour éviter, n'est-ce pas vrai, et des problèmes qui sont capables de nuire à la stabilité du pays. C'est ça que fait depuis environ 2 semaines, tout le monde qui habilité pour parler dans non pouvoir ça, tout prend la parole, qui c'est ministre communication, qui c'est porte-parole président, yo, tout a parlé. Il y a un porte-parole qui était dans mission à l'étranger, il a expliqué question. Moi-même, avec l'autre porte-parole, Lucien Jura, nous toujours mes démarches là pour nous permettre que les comprennent. Et aujourd'hui, et avec Internet qui sous téléphone, on râle, on tape, on garde le prix baril pétrole là. Et là, on prix baril. Pétrole là, baril pétrole là, pas tout gaz, donc il faut que le transforme. Donc, il y a un coût. Et là, en Haïti, on peut acheter un bagage à l'étranger, il y a un coût qu'on paye. Aujourd'hui, l'État seulement pas capable de continuer à subventionner gaz là, il seulement pour retirer subvention. Et le retirer subvention, ça va permettre que nous touchions plus de monde dans le programme social, permettre que plus de monde joigne. L'État arrive sur yo. Parce que je dis, il y a un paquet de mamans qui ont levé tout le monde sans relais, sans répondre. Donc je dis, dans 4 programmes, petit maman chérie, il faut que nous soyons capables de river sur le monde. Ça, voilà, c'est peut-être des chiffres qui ont besoin de pour dire, voilà, avec ça, nous allons gagner comme qui va l'aider, ne pas subventionner, mais qui ça va peut-être être nous pour nous faire ressources communautaires, pour nous faire l'école, pour nous faire centre de santé. Pour faire... Et là, ça, la population va comprendre, effectivement, mesure pour ne pas subventionner, c'est pour lui là. Bon. Parce tout à fait. Et ça va venir parce que le ministère, des finances pour quelqu'un pour les bailler des tableaux comparés et pendant semaine ça yo pour montrer à la population et mais comment elle mais comment la pied mais qui ça nous va faire parce que je dis tout ça qu'a fait dans niveau l'État l'a fait dans la plus grande transparence. Qui est la magistrature et il faut voir ça avec le ministre des finances. D'être là pourquoi arrêter parfait mais pas les moyens pour nous faire battre sur lui. On garde les prix sur le marché international. Le prix a grimpé chaque jour plus. Espérons que le descende dans ce jour-là. Tu as dit, tu as avancé vers ajuster le prix à la pompe. Mais c'est inévitable. Depuis qu'il continue à grimper, c'est inévitable. Parfait. Bon, là maintenant, l'autre élément, c'est visite la reine d'Espagne, cap semaine ça en Haïti. Première dame République, là, mon autre qui est aussi d'ailleurs depuis environ 1 à 2 semaines pour annoncer visite ça. Et objectif visite là, que ça lié? C'est on visite côté reine Laetitia Ortiz, la rentrée demain, en deux pays, c'est pour visite 2 jours. On connaît, c'est une invitation qui est lancée à reine, et reine répond favorablement pour les capables de visiter. Et elle a gagné pour les rencontrer avec plusieurs représentants, agences avec ONG et espagnoles.
côté la guerre pour le présider on rencontre la guerre tout pour les visiter des centres d'accueil dans le pays un centre éducatif sur Saint-Vincent de Paul la guerre tout pour les rencontrer avec femmes qui bénéficient plusieurs projets nutrition pour tout le monde et en fin d'après-midi la il y a pour ce voile coup présidentiel la pour ce voile dans le palais national pour un cocktail de bienvenue et avec première dame république là reine Laetitia Ortiz pour le gagner pour les capables discuter sous question situation femme pas bon ici question éducation avec la santé qui c'est une priorité première dame république là parce que timoun avec femme c'est priorité et première dame là tout travail que lui a fait articuler autour de deux mondes et c'est pas une belle visite parce que je dis c'est pas parce que il y a une catastrophe qui fait que reine n'a venir visiter pays l'a venir visiter pays non contexte côté gagner en stabilité politique et l'a venir garder comment lui est Haïti et pas permettre que lui parlons l'autre gens tout de Haïti parce que chaque fois il parle de Haïti c'est la grande catastrophe soit un cyclone soit un tremblement de terre ou bien soit gagner un problème politique donné il parle de Haïti mais aujourd'hui leur gagner ils ont opportunité pour recevoir yon royauté qui vient visiter pays ou là et ben le rivel pour aller pour lui discuter avec moun que la parler mais qui ça le voit pas bon ici mais comment que pays ça lui même lui est touché que parce que Haïti en dépit de toute bagarre moun ka dit de lui nous sommes peuple qui connait recevoir moun nous connait comment nous recevoir moun et le nous a parlé avec moun qui vient visiter nous yo nous gros effet que nous fait sur yo déjà pour tout moun de ce terrain artiste bienvenue Reine Laetitia bienvenue parce que je dis c'est une belle opportunité pour nous gagner des moun des personnalités comme ça qui viennent visiter Haïti dans un contexte spécial. Est-ce que vous parlez tout dans la logique de renforcer la coopération espagnole là et en Haïti? C'est ça que fait Reine Nabral Gain pour lui rencontre fond, lui-même il va présider, il rencontre ça avec coopération espagnole pardon, et l'autre ONG qui a travaillé dans la question ça pour être capable de garder comme être capable de renforcer et coopération. Parce que l'heure ou deux, yo, et Serge Nolé doit pisser des représentants qui ont comment le pays, mais comment le même. L'on vient garder ou même, ou bon l'autre image, ou bon l'autre idée qu'on fait de lui. Mm-hmm. Est-ce que l'autorité haïtienne, il y a des bagages particuliers souhaitées discuter avec Reine Nabral pendant le passage en Haïti? Évidemment, le président Salabal a pour lui rencontrer avec Reine Laetitia Ortiz, et première dame république, lui-même a gagné pour lui rencontrer avec lui. Ça fait m'dou qu'avec première dame, il a gagné pour discuter sur la situation de femmes en Haïti, éducation avec santé et Timounio, qui c'est une parmi les priorités que première dame république a gagné.